Je suis particulièrement préoccupé par les actes de kidnapping qui atteignent des proportions alarmantes à travers la zone métropolitaine. Certaines activités dans le domaine de la restauration, de l'hôtellerie, des ambiances nocturnes sont quasi paralysées car la peur envahit la population. Les enlèvements au quotidien qui frappent toutes les couches sociales provoquent consternation et stupeur. Les capacités des appareils de sécurité de l'État à freiner jusqu'à date ce phénomène inquiétant n'est pas de bon augure. Le gouvernement de la République est consterné par la tentative d'enlèvement suivie d'assassinat de plusieurs personnalités et plus particulièrement celui du docteur Ernest Paddy, survenu dimanche dernier en date du 28 février 2021. L'heure est à l'action et des mesures urgentes doivent être adoptées immédiatement. Il faut rapidement que la PNH assure une augmentation de la présence policière de façon significative à travers les rues, contrôle effectif de tous les types de véhicules, permis de conduire, papier du véhicule, autorisation de tête, fouille à la recherche d'armes à feu et munitions. Deuxièmement, une occupation de tous les carrefours importants par des points fixes et patrouilles mobiles sur les axes principaux. Troisièmement, la poursuite de la mise en place de barrages fixes à certains endroits pour empêcher les actions des bandits. Le lancement d'opérations ciblées et musclées de la PNH contre certains repères de bandits. Une sensibilisation de la population sur le comportement sécuritaire à adopter pour ne pas être facilement victime d'actes d'insécurité. Sixièmement, un marquage de tous les véhicules immatriculés services de l'État afin de pouvoir retracer l'affectation du véhicule. Un partage accru des informations entre toutes les cellules de renseignement des instances étatiques impliquées dans la sécurité. Une infiltration des formateurs dans certains quartiers et au sein de certains réseaux. Un contrôle réel de l'effectif policier actif, en détachement, en mesure conservatoire, en disponibilité, études à l'étranger, malades et autres. Dixièmement, un contrôle de l'armement collectif au sein de toutes les unités de la PNH. Un contrôle des armes à feu et munitions détenues par les agences de privées de sécurité. Une demande par le gouvernement aux deux compagnies de téléphonie mobile de mettre hors service toutes les SIM non identifiées. Un renforcement du contrôle à travers toutes les prisons du pays afin de prévenir les évasions. Et quatorzièmement, un lancement d'avis de recherche à travers tous les territoires nationaux sur les évadés de la prison de la Croix des Bouquets. Une évaluation à la huitaine des premiers résultats obtenus doit être effectuée et un suivi de l'élaboration d'autres mesures à adopter à moyen terme. Avec une bonne synergie au niveau de tous les acteurs étatiques, la volonté et les sacrifices nécessaires à consentir, je suis certain que nous pourrons réduire l'insécurité à sa plus simple expression. La population doit être rassurée.
les artisans du chaos qui instrumentalisent le kidnapping à des fins politiques, en semant le deuil dans les familles haïtiennes, en décapitalisant les classes moyennes, doivent savoir qu'ils ne pourront pas mettre l'État en déroute. Dans une démocratie, on ne conquiert pas le pouvoir politique par la violence et la terreur. Les bandits téléguidés par les forces obscurantistes, cherchant à provoquer un soulèvement général dans le pays, seront traités comme ennemis de la société et de l'État. Collectif étudiant pour capable défendre et dégue, dénoncer décision sale. Nous voyons jeter toute décision rectorale. Nous-mêmes étudiants, ça y est, nous croyons dans le dialogue. C'est ça que fait. Nous avons fait démarche bon côté rectorat pour nous chita parler avec vous. Il y a des rencontres qui sont organisées déjà. Mercredi 24 février et vendredi 5 mars qui sont passés là. Représentant rectorat, t'as tenté justifier nécessité pour une restructuration qui fait dans les ZEG. Oui, nous-mêmes étudiants, nous appuyons l'idée pour une restructuration. Ça a bas nous plus fierté pour nous dire nous t'es étudié pendant 4 années dans les ZEG pour nous préparer mémoire nous qui sont travail scientifique et un travail de recherche. Cependant, restructuration ça pas qu'à fait en dehors règlement interne et ZEG là. Li pa ka fèt non plis en gros ponyèt, Jean Recteur Fritz des hommes vle fèl la. Le nap essaye bien comprendre question restructuration ça. Nou wè, li semble tête coupée ak yon démarche pour prendre contrôle et zèg nan l'idée pour faire l'argent et puis empêcher petite soyet faire études universitaires pour reproduire tête yo. C'est yon démarche qui visait craser et zèg. Parce que c'est celle l'école qui a la possibilité pour un pile petite soyette arriver étudier. Rectorat prend contrôle l'école droit qui n'a Jacques Mel là. Depuis ça, gagné petit plaignen étudiant qui n'a Jacques Mel yo dénoncé une décision qui prend pour faire payer 15 000 goudes comme frais annuel au lieu de 3 000 goudes Jean Satéye. N'a tout dit rectorat étudiant Edzeg pas prendre dans restructuration malachon. Nous fait un pile sacrifice pour nous boucler année académique 2019-2020. C'est pas étudiant yo qui la cause. Gè problème entre rectorat université l'état à conseil direction et zèg là. Qui donc étudiant yo pas payé pour casser ya. Nous quoi gè possibilité pour crise la résoudre. C'est peut-être ça nous fait quelques propositions et recommandations. Nous-mêmes étudiants, nous mandé rectorat pressé retourner sur ensemble décision li annoncé yo. Reprendre le dialogue ak conseil direction et zèg la. Comité central étudiant yo ak conseil professeur. Faciliter élection faite nan et zèg pour gagner un nouveau conseil direction qui prend tête l'école là. Mettez en place yon commission qui pour accompagner conseil direction et zèg la pour restructuration ka fait bien. Yon formation universitaire standard, yon l'école qui gen discipline, l'ordre, côté bon jan principe respecté a empêché examen ak soutenance fait nan gagote jan rectorat souligner ça nan argument li avancé yo. Ça a permettre yon moun ki étudie nan et zèg a gen plis fierté. Étudiants yo pas décidé payer pour casser ya. Semaine ça, si rectorat pas retourné sous décision li annoncé yo, plis passer 15 000 étudiants a prend béton pour nous capable continuer faire revendication nous passer et puis défendre droit. C'est dans une grande salle, bourrée de gens, en présence de plusieurs personnalités du gouvernement, de la représentante de l'ONU Femmes en Haïti et des responsables d'organisations de femmes que s'est déroulée cette journée de commémoration. Docteur Sophia Loreus est la directrice générale du ministère à la condition féminine et aux droits de la femme. Elle explique le symbolisme de la journée du 8 mars. Officialisée par les Nations Unies en 1977, célébrée dans de nombreux pays à travers le monde le 8 mars,
est une occasion de faire un bilan sur la situation des femmes et surtout celle de nos femmes haïtiennes. Cette journée est marquée pour fêter les victoires et les acquis en matière des droits de femmes, mais aussi pour faire entendre leurs revendications afin d'améliorer la situation des femmes. La représentante de l'ONU Femmes en Haïti, Madame Dédé Écroué, pour sa part, salue la bravoure, la détermination des femmes de plusieurs secteurs de la vie nationale qui luttent pour l'épanouissement et l'avancement du leadership des femmes en Haïti. À l'occasion de cette journée spéciale, ONU Femmes salue vivement le leadership de toutes les femmes haïtiennes dans tous les secteurs, société civile, secteur privé, secteur public, secteur politique, secteur académique, sport et arts et médias, pour ne citer que cela. Nous avons une pensée particulière pour les femmes du secteur de la santé qui sont en première ligne dans la lutte contre la COVID-19. De son côté, la ministre à la condition féminine et aux droits de la femme, Marie-Ghislaine Montpremier, déclare qu'on ne peut pas parler d'avenir meilleur pour Haïti pendant que les inégalités entre hommes et femmes sont encore réelles. Voilà pourquoi elle invite les femmes à s'imposer et prendre en main leur destinée. Un avenir meilleur de notre République dans l'inégalité de genre ne peut et ne pourra être possible. L'égalité de droit entre les deux sexes constitue un ingrédient incontournable pour le développement de notre pays. Mesdames, Mio, ma parole avec nous qu'on y a. Sortir des rideaux, lever campé pour nous prendre destinée nous en main, parce que nous, plus que moitié de la population, présent à cette cérémonie commémorative, Jovenel Moïse se dit consterné de voir, malgré les diverses luttes menées en vue de faire respecter les droits de la gente féminine, qu'il y ait encore des inégalités entre les femmes et les hommes. Face à ce constat, il y a des mesures concrètes à prendre pour lutter contre toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, croit Jovenel Moïse. En dépit des progrès qui ont été réalisés du point de vue juridique, politique, social et culturel, les inégalités entre les femmes et les hommes demeurent bien réelles dans notre société de peuple. Et ces inégalités ont de graves répercussions sur le bien-être des femmes. Partant de ces constats, l'État doit prendre toutes les mesures en vue de combattre les préjugés et les stéréotypes sexistes, source intarissable de discrimination de genre. Pour ce faire, il faut tenir le taureau par les cordes. C'est en ce sens qu'en ma qualité de président de la République, chef de l'État, j'adhère déjà à l'idée que la parité soit reconnue à tous les niveaux de la vie nationale. À chaque 8 mars, Journée internationale des droits de la femme, l'occasion pour les autorités de montrer qu'elles pensent à cette catégorie. C'est aussi un bon prétexte pour les organisations féminines de prouver leur existence. Mais doit-on considérer seulement comme femmes celles qui ont les talons hauts, qui défilent à longueur de journée dans les médias? Le projecteur ne devrait-il pas aussi être allumé sur les madames Sarah, les femmes marginalisées?